Toujours pas pissé? Je vais pas pisser en 14 heures, je pense. J'ai perdu 8 litres d'eau sur ces derniers jours. Je peux pas. Je vais les reboire, et vu qu'il y a des électrolytes dans ces trucs, je vais pas pisser avant un bon moment. Donc autant dire que. Peut-être que pas, j'y vais attendre un petit peu, mais bon, ils le savent heureusement. Soit un petit riolet, soit un petit Mocky Brownie. Autant dire qu'un petit Mocky Brownie, ça peut bien passer. Allez, on va commencer par ça. Ça sent bon. Oh yes, la vie est belle. On est mieux là qu'il y a 2 heures, les amis, je vous le dis, moi. Cinquième litre. Est-ce qu'on pourrait descendre pour voir, pour vous expliquer si vous voulez avec eux? Comment ça, les eaux sportives? Non, je n'ai pas avec les eaux sportives qui sont fêtés l'année dernière, ils m'ont dit qu'ils sont tous remontés dans leur champ. Écoutez, ça vous dérange si on descend? Oui, ça me descend parce que ça me dérange parce que j'ai mal partout et. Oui, je comprends. De toute façon, monsieur, vous êtes là, vous voyez bien que là je vais pas aux toilettes. Oui, quand oui. Je vais aux toilettes, je vais descendre, mais descendre pour être assis sur une chaise pendant 5 heures, ça va pas être possible, non. Tant qu'il y a quelqu'un avec moi, on reste là. S'ils n'ont pas pris assez d'agents pour tester tout le monde, c'est pas mon problème. C'est ce que je leur ai dit. Les athlètes, ils ont d'autres choses à se préoccuper plutôt que savoir combien de personnes qui sont là pour bosser. Moi les tests, venez me tester tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais par contre, qu'on nous dise rester dans une salle d'attente assis sur une chaise alors qu'on vient de perdre 7 kilos, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est ça, sur. Bobo ? Du calf un peu, mais. Ouais, sur le coup, je sentais rien, quoi. Dans 2 semaines, les jambes sont comme neufs, même pas. Dans 2 semaines, je vais au Daguestan. Mais non. Ouais. Ok. Je vais me faire un mois là-bas, là. Je vais me faire un petit stage de lutte. J'ai un super coach là-bas qui m'attend. Donc. Top. Ah, ça fait plaisir. J'ai des bonnes sensations. T'es le prochain, hein. T'es le prochain, frérot. On verra si Dieu le veut. En tout cas. Oh, ça arrivera. C'est comme juste, j'ai dit. On verra s'il en refaut un combat ou pas. Mais. Tôt ou tard, c'est pas important, tu vois. Parce non, que quand t'as le niveau, t'as le niveau. Donc. Ouais, non, de toute façon. Moi, je suis focus sur avoir un niveau. Là, il me manque. Encore boxe, c'est encore de la boxe, question encore de temps, la lutte. Tu verras, mais le niveau, tu l'as largement pour battre 80% des mecs en UFC déjà. C'est juste une question de timing. Et... Non, c'est bien. Bon, et toi, tu sens le phage? Oh, franchement, je me sens bien. Le dernier entraînement qu'on a fait, c'est quand mercredi, je me suis senti sharp. T'as du jus? Rapide, explosif. Je vais te coaster aujourd'hui. Oh. Je vais te laisser, frérot, parce que je vais juste manger un bout. Ça me fait plaisir de te voir. Je te donne la force aussi, et bah. Tu gères. Tu l'as. T'inquiète. Tu l'as. T'inquiète. Vas-y, à plus. De toute façon, on se verra sûrement après le fight. Hein. Première fois que tu rentres par l'entrée des artistes? Pas la première fois. Pas la deuxième fois. Mais à Bercy, ouais, première fois. Après. Alors bonjour à tous les trois, un petit mot avant de commencer avec.
pas envie de commencer. Ouais, je remonte bien normalement. C'est bien ça, 10 kilos. Hein. Je me sens. Et tu t'en vas rapide, ouais, ouais, tout bien. 87, ça va, je me sens mieux à l'entraînement. 87, 88. Ok, parfait. Putain, j'ai hâte à ton combat qui se calme. Je trouve que c'est un content son adversaire. Hey, ils nous ont mis des adversaires avec des grandes gueules quand même. Ouais, mais c'est bien, parfait. Ouais, c'est bien ça. Moi, final, mais ils vont se calmer. Il a fait le beau toi ou pas? J'ai pas vu du coup. Ouais. Il m'a tendu la main comme ça. Okay. En fait, il m'a tiré le bras dans le bol. Non. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un arbre fragile, je vais casser les doigts, frère. T'as répondu. Oui, quand je sais. Elle est 500 grammes trop lourde. Pas 87,2, mais 86,7. On s'est pesé il y a 12 heures. J'ai pris 9 kills, pas mal. On verra demain à quel poids je suis avant le combat. Mais je pense que je serai autour de 96. Demain, j'ai pas trop mangé. J'ai mangé pas mal le matin, jusqu'à midi, on va dire. L'après, j'ai pas trop mangé. Je vais rester un petit peu. Avoir un peu faim avant le combat. Physiquement et mentalement. Donc voilà, putain, Zou qui me rouvre. Bonne nuit les gars, à demain. Petit soleil du matin, il fait du bien. On va aller remettre les tickets aux gagnants du concours que j'avais fait en ligne sur Insta pour gagner 2 tickets pour UFC Paris. Chose promis, chose due. On va leur rendre ça, ça va faire plaisir de faire plaisir. Je crois que c'est un monsieur avec son fils, il m'a dit par message, donc tant mieux, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, let's go. Salut. Merci bien. Pas de soucis. Ça va les gars? Ça enchanté. Ouais, pareil. Enchanté. Paul, tu vois. Bon anniversaire, du coup j'ai cru comprendre que c'était votre anniversaire. À tous les deux ou? Moi c'est la semaine prochaine. Ok, bon, quel âge? 15 là. C'est un beau cadeau. 2 tickets comme prévu, vous avez gagné le concours. Merci. Donc félicitations. Félicitations. En plus là. J'espère que je vais vous entendre ce soir, les gars. T'inquiète, tu vas nous entendre là. Parfait, ça fait plaisir. Plus que moi, je pense. Super. Super. Merci encore, les gars. Merci du soutien, ça fait plaisir. Merci à toi, on va pas t'embêter plus longtemps. Non, non, pas de souci, on va marcher tranquille avec mon collègue. Chill, et puis du coup. On se voit ce soir. Enfin, vous me voyez ce soir, moi. On verra ce soir. Moi, je ferai mon taf. Ça fait 2 fois que je croise par hasard. Et à chaque fois, il reste que là où il y a tous les restos et les boulangeries. Il va avoir pris 10 kilos sur son séjour à Paris. Did you even leave this area in like a week? You've seen the win? Back as the bees. It was good, you know, because I was waiting for it for a long time. Yeah. But I was just using it as experience for tonight, you know, getting used to have them screaming my name and shit. Yeah. Because I know tonight is going to be the case and it will all be about controlling my emotions and just staying focused and doing my things, nothing else. But no, it was good. Yeah, bro, 100% at the end of the day. All the time you get in there, you're only worried about one thing. Yeah, bro, 100%. And I mean, that's what we were aiming for so many years anyway, so it's not the time to fucking piece of pants. Yeah, well, I'm gonna walk for a bit. You do. See you, brother. See you in a bit, bro. Ça craint si je vais pisser dans le truc ou quoi? Faut que j'aille pisser, j'en peux plus. Change pas une équipe qui gagne, les gars. Matin, jour du combat, juste aller prendre un peu l'air, prendre un peu le soleil aussi là, vu qu'il y en a eu un temps de merde toute la semaine. On a croisé 2-3
personnes qui seront en fight aussi ce soir, donc j'ai pris 2-3 photos avec eux, ça fait plaisir, c'est les gens qui soutiennent, donc voilà, ça fait plaisir de rendre et de prendre des photos avec eux. Je suis concentré pour ce soir, mais en même temps je me prends pas la tête, il est même pas 11h du matin, ça sert à rien de stresser ou de trop y penser pour le moment. Voilà, il faut vivre le moment présent, donc quand je serai prêt à faire mon workout et prêt à... Quand je rentrerai dans la cage, quand on touchera les gants, qu'on sera prêt à combattre, ce sera le moment de vraiment penser à ce qu'il faut faire. Mais ouais, juste on relaxe tranquille, j'essaie de pas trop penser à ce qui va se passer ce soir pour le moment. C'est pas facile, hein, mais il faut. Hop là, merci. Super. Super. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Nickel, pas de soucis. Thank you so much. No, good thank luck. You, I appreciate it. Ça y est, on y est. Samedi après-midi, on part dans quelques heures là maintenant au combat. La fight week s'est très bien passée. La pesée s'est bien passée. La réhydratation et remanger entre la pesée et maintenant c'est très très bien passé. Je suis prêt. Hier, j'ai pu me nourrir du public, de l'énergie du public. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de vous entendre. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est avoir la victoire ce soir. Donc, encore merci du soutien. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux que j'ai pu voir devant l'hôtel et tout ça, prendre une photo. Et ouais, on est prêt. J'ai hâte. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin de parler plus longtemps que ça. On se voit ce soir. On va ramener la victoire. Merci du soutien. Let's go. On ramène la victoire ce soir. Let's go.